Bon matin, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de me préparer, comme vous pouvez voir. En fait, je termine. Fait que là, je fais mon petit gel à sourcils juste pour dire que j'ajoute un petit peu de couleur là-dedans. Ce matin, on s'est permis de dormir jusqu'à 7h30 et ça fait vraiment du bien. J'ai vraiment passé une belle et bonne nuit de sommeil. Fait que je me sens toute reposée. On est l'avant-dernière semaine avant les fêtes. C'est débile de penser qu'on est déjà rendu là. En fait, par le temps que vous voyez ce vlog-ci, c'est durant les fêtes. C'est durant les fêtes. J'espère que vous avez passé un beau Noël. Oh mon dieu. Mind blown. Fait que j'espère que vous profitez bien de vos vacances, que vous avez passé un bon Noël, même si c'est un petit peu différent cette année. Mais regarde, hein? C'est juste une année dans toute notre vie. On va survivre, ça va bien aller. Faites-vous en pas si jamais vous vous sentez seul. Écrivez-moi, il n'y a pas de problème, on va chatter. Hein? On va avoir du plaisir, on a juste ça à faire de toute façon. Voici mon petit outfit du jour. Fait que j'ai décidé de mettre ce genre de turtleneck, mod neck là. Que ça fait des années que j'ai, fait qu'il est vraiment vieux, mais il est tellement confortable. Avec mes petits colliers, je les avais pris sur AliExpress. Le shipping a été super rapide, puis il était genre 4$. Fait que je pourrais essayer de vous les retrouver, les mettre en barre info si jamais ça vous intéresse. Et mes pantalons, je les avais pris dans mon... avec le haul Shein, fait que je les avais pris sur le site de Shein directement. Je les aime vraiment beaucoup, le style paper bag, mais genre en cuir, ils sont vraiment confortables. Habituellement, il y a genre une ceinture qui vient au niveau de la taille avec, mais personnellement, j'aime ça, juste de même. Fait que je vais essayer de trouver aussi quelle botte je vais mettre, probablement les petites bottes noires. Ce midi, j'ai pas besoin de m'amener de lunch parce qu'avec les gens du travail, on fait un potluck. Fait que tout le monde amène quelque chose. Moi, j'amène une bruschetta avec des tranches de pain. Mais en fait, des baguettes de pain que je vais couper. Je vais même amener mon couteau pis tout, là. Ils sont un petit peu durs, là, cette nuit, là. Mais pour vrai, ça me tentait pas d'y aller ce matin. Fait que je suis allée les chercher hier. Puis c'est pour ça que je les ai pas coupés en avance. Fait que ça, un autre bol pour mettre les pains quand ils vont être coupés. Puis je vais finir de ramasser mes petites choses puis on va être prêt à partir. Il est rendu 5h45 comme vous pouvez voir par la lumière qui n'est pas présente. J'ai juste quitté le bureau, je m'en vais à la maison. J'avais une rencontre avec mes boss aujourd'hui parce que vu que c'est la fin d'année, on a toutes des genres de meetings, pas de performance là, mais mettons de pour dire comment s'est passé les derniers mois, qu'est-ce qu'on a aimé, qu'est-ce que on aimerait améliorer, sur quoi on aimerait se spécialiser dans les prochains temps et tout. Fait que c'est vraiment cool. Fait que ça a terminé un petit peu plus tard parce qu'on a pris notre temps pour jaser, mais pour vrai, c'était très utile et instructif. Puis je suis vraiment excitée de la suite des choses. Fait que là, je me dirige dans la maison. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on va manger pour souper. En fait, je dis ça, mais hier, on s'était dit qu'on allait manger des tourne-dos de poulet qu'on n'a pas mangé ce soir. Fait que je pense que c'est ce qu'on va manger. J'étais censée aller faire des commissions en finissant, mais je pensais pas finir comme presque une heure plus tard. Là, fait que ça me tente genre pas d'aller revirer à l'autre bout pour aller faire ça. Fait que j'irai possiblement demain. On verra. Vous voulez vous savoir c'est quoi la vie d'adulte par excellence? Une Dyson! Oh my god. Ok. Je sais pas si vous vous souvenez, dans un des derniers vlogs, j'étais comme oh my god, c'est quoi les cadeaux qu'Anto a emballé puis que je sais pas c'est quoi parce que je savais tous mes cadeaux. On est vraiment plein de surprises. Et puis, dans le fond, lui, avec sa carte de crédit, il a genre plein de points puis il a commandé. Il avait le droit d'avoir, avec tous les points qu'il avait, une Dyson. Fait que c'est une petite end comme ça, là, juste qui se transporte full bien, super légère. Et puis, c'est la Dyson V7 Trigger Origin, que j'adore. Que hier, il était comme, tu veux ouvrir un de tes cadeaux? Puis j'étais genre, oui. Fait qu'il a ouvert ça, c'est vraiment pour nous, là. Mais moi, je trippe solide depuis hier. Ça doit être la cinquième fois que je passe la balayeuse. Je vois une petite mousse, puis je suis comme, ok, je vais sortir la Dyson. Fait que dans le fond, on a un petit embout comme ça, que tu peux mettre soit, c'est juste de même là, ou soit juste avoir la petite brosse, puis il y a un autre embout qui est, tu sais, qui est, ben en fait long, pas si long que ça, peut-être genre un pied on va dire. T'aimes pas la nouvelle balayeuse toi? Non mais regarde tout ça à terre, on va tout enlever ça. Oui. Are you proud of me? J'étais en train de faire un petit entraînement. Ça fait genre legit 3 semaines que je me suis pas entraînée. Je suis relativement en train de mourir, mais ça va bien aller. Je faisais un petit peu d'autre corps. Je vais finir ma série. Il va me rester, je pense, un exercice. Puis après ça, je vais arrêter. Sinon, demain, je vais mourir. Je vais me sortir mes petits gants pour l'occasion. 4, 5. Oh my god. Je suis vraiment plus en shape. Mm.
Bon matin, j'espère que ça va bien. Je suis en train de me préparer pour la petite journée. Vous savez, faire mon lunch, je rentre dans le tête d'eau. J'ai fait le café en tour. Je vais aller les porter. Je le brasse. Aujourd'hui, il fait officiellement, je sais pas combien, ressenti presque moins 20. Fait que j'ai mis une des laines les plus chaudes que j'avais pour contrer la situation. Ce matin, on est convoqué en meeting avec le monde de mon équipe et les boss parce qu'on a un travail sur un client qu'il faut qu'on fasse avant les fêtes. Fait que on commence plus tôt pour pouvoir y arriver. Fait que je vais faire ça, j'ai transversé mon petit café dans ma tasse réutilisable. Tu sais comment elle est belle. On l'avait eu dans un événement. Molly Bracken. Elle est trop belle. Je l'aime vraiment beaucoup. Elle garde pas le café super chaud, par exemple, là, pour être bien honnête. Mais elle est mignonne. Aujourd'hui, ils annoncent officiellement si les magasins et ce genre de choses-là vont fermer. En fait, on se doute fortement qu'ils vont fermer. On sait juste pas quand. Et probablement que mon deuxième travail va aussi fermer. Fait que on va voir tout ça aujourd'hui. C'était censé être hier, mais je suis quand même stressée, on dirait, d'avoir des nouvelles de ça et de savoir ce qui va en être, là. Ça a des avantages au moins. Commence à travailler un petit peu plus tôt. C'est tellement beau, le ciel. Ouais, ouais. Voulez-vous savoir le genre de choses qui me rend vraiment heureuse? C'est d'arriver au IKEA, faire mon retour et voir qu'il y a quasiment personne. Le stationnement est presque vide. Je sais pas si les gens ont genre tous vraiment eu peur. Mais pour ma part, vu que ça risque de fermer pour plusieurs semaines, même s'ils disent le contraire, eh bien, on prendra pas de chance et on va aller faire les petits retours tout de suite avant qu'il arrive quoi que ce soit. On avait acheté ces cordes-là pour notre chambre et ils ne font plus. Ils sont ben trop gros, là, fait que je vais aller les retourner. Checker mes petites trouvailles du... de où? J'suis allée où? Au Marshalls, oh mon dieu! J'ai pris des verres comme ça, dans le fond c'est deux verres à latte macchiato, fait que c'est des verres à double paroi. Ça sont en réalité des tasses, mais juste pas de poignée. Puis je les trouve tellement beaux. Fait que j'ai pris un ensemble de ça. Il y avait des plus petits ensembles aussi à espresso que j'aimais vraiment beaucoup. Je me demandais si pour mon père ça allait pas être parfait. Mais avec tout le stock qu'ils ont en ce moment, je me suis dit qu'il était... Il manquait déjà assez de place que je ne voulais pas y rencombrer ça. Et puis, j'ai pris pour entour, dans le fond, comme un de ces cadeaux de Noël, des baguettes pour quand on mange des sushis. La dernière fois, on n'en avait pas, puis on n'avait pas de baguettes ici, vu que je trouvais que c'était juste mignon. Là, je voulais donner à Noël, mais il l'a déjà vu. Fait qu'on va y donner tout de suite, hein? Je fais mon petit ramassage classique de la soirée. Chanceuse, j'arrive tout le temps, puis la vaisselle est faite. Là, c'est moi qui ai rejeté des affaires, là. Oups! Anto et moi, on a pris la décision, les deux, de commander du McDo! Ouais! J'avais vraiment envie de manger du McDo ce midi, puis là, il m'en a parlé. Fait que les deux, on a pris la décision d'adulte de faire ça. De toute façon, on est vraiment dû pour faire une épicerie, mon Dieu. Il me semble que ça à chaque semaine. Mais bon, hein? Je m'en allais vous dire, je vais officiellement relaxer avant de manger. Mais je viens de voir ça ici. Et ça me tente pas mal. Ça va être la couleur qui va être genre le plus partout. Ouais, mais c'est la couleur la plus foncée. Ah, on a fini notre film, faut se commander d'autres. Faut s'écouter d'autres choses. Allô, Charles! What's up? In Europe last year, under one of the four identities we tried. Qu'est-ce que t'as pris? Junior aussi. Un bon petit classique. Junior, pour vous, mon monsieur. That's right. Hi, what's pour up? Vous, mon monsieur. Oh. Big Mac pour moi. Poutine, poulet.
croustillant pour moi. Mm-hmm. Épicé pour toi. Épicé, oui. C'est bon, ça? C'est-tu bon? De? G.I. Joe. As-tu déjà vu? Je me souviens plus. Mais ça, c'est à toi. Je sais pas si c'est le 1 ou le 2. Bon matin, mon coco. Oh. T'es bien regardé dehors. On va se préparer un tantinet pour la journée. J'ai gardé mon petit outfit aujourd'hui. Vraiment, vraiment très casual et très simple parce qu'il fait encore plus froid que hier. Fait que c'est ça, hein? On va se réhabituer un jour. Fait que la laine est toute nouvelle, elle vient du Ardennes. Je l'ai reçue dans ma commande que je vais présenter sur mon Instagram là, dans le mois de décembre. Fait que je l'aime vraiment beaucoup parce qu'elle est quand même assez longue. Fait que si vraiment, mettons, vous étiez plus petite que moi, là, ça pourrait faire une super belle robe. Il l'avait aussi dans le beige, brun genre, super belle. Fait qu'elle est comme lignée avec un petit col qui monte un petit peu comme ça en haut. J'ai mis un petit collier avec ça, mon dieu, je suis soufflée. Je viens de descendre les marches, je peux remonter. Puis avec des petits leggings en faux cuir. Fait que super simple, vraiment mon genre de outfit que je porte avec différentes variations. Je pense que j'ai oublié mon cellulaire à la maison. Je suis pas mal sûre que oui, en fait. Bon, fait que je m'en fais en tôt. Et tu venais me porter mon téléphone. Le mercredi, c'est toujours la journée où je fais l'agence le jour et puis mon deuxième travail le soir. Fait que j'ai décidé d'arriver un petit peu plus tôt pour justement pouvoir partir un petit peu plus tôt. Ça me met comme moins serré quand je dois partir d'ici pour me rendre à l'autre place. Fait que là, il est 8h30. Et puis, je sais même pas si quelqu'un est arrivé. Fait que je sais même pas si je vais pouvoir commencer à travailler d'avance. Ça va être une surprise. Je voulais vraiment juste prendre le temps ce matin de vous remercier. Hier, je pensais à ça, puis j'étais comme, je suis tellement chanceuse de vous avoir. Je suis tellement chanceuse que vous me fassiez une place dans votre vie, dans votre quotidien et tout. Écoutez les vidéos, d'être super fin avec moi, de tout le temps me laisser des beaux commentaires, de tout le temps prendre le temps de venir m'écrire, de mettre juste un j'aime. Ça paraît tellement pas, mais ça fait des grosses différences. Tout ça là, c'est ça. Je suis vraiment contente d'avoir des gens avec qui partager, avec qui échanger, puis on a des beaux échanges ensemble, puis je trouve ça le fun. Fait que je voulais vraiment 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 prendre le temps de vous remercier. Je vous fais comme un câlin individuel à tous. Je vous aime très très fort. Merci du plus profond de mon cœur. J'adore faire ça, puis merci de m'en donner la chance. Fait que là, je vais rentrer. Allez voir si je vais me cogner la tête sur la porte ou pas. Je viens juste de revenir à la maison et il est rendu 11h, moins 5. Je suis brûlée, je peux le dire, genre ça paraît par mes cernes, je pense. J'ai reçu un petit colis que je viens juste d'ouvrir, qui est les morceaux Ardennes que j'ai commandé un petit peu plus tôt cette semaine. Fait que ça a vraiment été rapide, je suis vraiment contente. Et puis, les fournisseurs en tôle tiennent une marque Bomb, là, Sunbomb, que vous connaissez peut-être. Puis, ils lui ont donné plein de produits. Checkez ça comment c'est malade. Fait que... il y a plein de produits ici, là, fait que ça c'est Baby Bomb, mais c'est quand même ultra douce, Bubble Bath, fait que ça a été parfait. Fait que shampoing, leave-in, conditioner 3-in-1, je connais pas full leurs produits, fait que c'est bien excitant, là. Hand sanitizer, ça c'est quoi? Lotion réparatrice, je pense que ça va être plus pour moi, genre de bébé crème. Je pense pas qu'on doit en mettre. Shampoing. J'ai jamais essayé leur produit, fait que j'ai bien hâte. Ça, c'est du FPS pour le visage. Puis là-dedans, checker comment c'est cute, la petite pochette. Avec plein de petits lip seals. Oh, tu m'as laissé le rose. C'est genre la pire affaire à faire, là. Mais j'ai vraiment faim. On t'a fait du spaghetti, puis ça sent vraiment bon. Fait que je pense que je vais prendre un mini bol. Juste pour dire, je prendrai pas tout ça, là. Je vais prendre genre... un quart de ça, mais je me remplis le ventre un petit peu. Je vais venir me coucher, ça dort tellement mieux. Qu'est-ce que tu veux manger pour souper? En fait, tu décongeler quelque chose ou... ah oui, c'est vrai. Ok, parfait. Tu veux-tu faire genre ton poulet, mais avec la césar? Ou il n'y en a pas assez? Des trucs. Ah, j'ai même pas bu mon café.
Bon matin, j'espère que ça va bien. Je sais pas pourquoi, là, je cours un petit peu ce matin puis j'ai pas l'impression d'avoir plus dormi ou plus pris mon temps que d'habitude. Fait que je m'apprêtais à quitter. Avant hier, ils ont annoncé que les entreprises fermaient ou peu importe, là, qui tombent en télétravail. De ce que j'ai cru comprendre, parce qu'on s'est fait dire, c'est que c'était vraiment la discrétion de chaque employeur. Fait que nous, on reste en présentiel tant qu'à tout déplacer les setups d'ordinateur et tout pour quelques jours. Ben, nos boss ont décidé de garder ça en présentiel jusqu'à temps qu'on aille en vacances. Alors, au retour des vacances, ben, ça sera un autre cas. Là, je pense qu'ils vont penser à ça justement durant les vacances selon comment ça se passe et tout. Fait que, qu'on reste au bureau jusqu'à mercredi prochain. Et puis, pour ce qui est de ma deuxième job, je pensais qu'elle allait fermer, mais ça a l'air que non. Je sais pas pourquoi c'est accepté, pour être complètement franche avec vous. C'est un centre sportif. Oui, on est limité dans le nombre de personnes, mais je me dis, ils se limitent aussi dans les restaurants. Pas dans les restaurants. Je me dis, ils se limitent aussi dans les magasins. Fait que, on n'a pas le droit de voir nos familles à Noël ici, mais on a le droit d'aller jouer avec eux autres dans un centre sportif. En tout cas, je trouve ça un petit peu spécial. J'ai vraiment pas compris la passe. Mais bref, hein? Red eye. Fait que ce soir, on vient voir une petite maison. C'est notre visite de la semaine. Depuis un bout, on a genre quand même une couple de visites. Mais là, ça faisait quelques jours. Donc, on est venu voir une petite maison. Ben en fait, on attend notre courtière pour pouvoir y aller. Ce serait dans genre une dizaine de minutes. On est un petit peu à l'avance. C'est un petit peu plus loin que notre périmètre qu'on s'était dit au départ, mais c'est quand même cute. C'est une maison un petit peu plus grosse, qui a du cachet et tout. Fait qu'on s'est dit que ça méritait une visite. Fait qu'on va venir voir ça ce soir. On attend qu'elle arrive, puis on va y aller. Puis on observe, on zieute en attendant. C'est juste là. Ce qui est cool, puis tu sais, c'est ça, on a vu une maison qui était un petit peu plus vieille, mais tu sais, qui avait beaucoup de potentiel, qui est celle-là. Fait que on aimait vraiment beaucoup celle-là, puis on en a vu une autre qui est vraiment plus neuve, comme quasiment de construction neuve, pas loin d'ici aussi. Mais on préférait pour de vrai y aller avec quelque chose d'un petit peu plus vieux, mais qu'on peut mettre à notre goût purement. On dirait qu'il y a du cachet, là, il y a déjà du vécu, mais je sais pas. Il y a quelque chose de plus dans les plus vieilles maisons, on va dire, que dans les constructions neuves. Fait que on t'a bien intéressé. On va voir, hein? Bon matin, Mick! Anto, il s'est réveillé à 3h cette nuit, il était plus capable de dormir, checker ce qu'il a fait comme toile. Des genres de... Et pas terminé, mais c'est du pop art. Et débile, moi j'ai fait les signes de dollars. Puis ça. Puis amour, ouais. J'aime vraiment, c'est vrai que les marlins sont super bien. C'est genre des feuilles qu'il a collées en bas, en haut à gauche. Ça c'est un stencil. Puis ouais, c'est vraiment cool. Il reste des trucs à acheter, mais... Je sais pas quoi. Ça va être nice. Check qu'est-ce que les autres ont fait pour t'inspirer. Ça va te donner des idées, je pense. Je suis en train de me préparer pour la journée. Je vais maquiller légèrement. Là, je fais la même affaire à chaque jour, genre 5 petits produits super simples. Juste pour dire que j'améliore mes features. On va dire ça de même. J'ai pas cette table depuis genre 2 semaines. Puis là, je commence à me trouver vraiment pâle. Surtout quand je porte ma robe de chambre noire. Bref, hier on est allé visiter la maison. J'ai comme pas donné d'update parce que sérieux, j'étais brûlée en revenant. On a mangé puis je me suis couchée vraiment pas longtemps après. Fait que on a vraiment, 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 vraiment beaucoup aimé la maison. Comme je disais, c'est un petit peu plus loin que notre range habituel. C'est soit on reste proche où est-ce qu'on est en ce moment, mais on a comme un sim détaché, quelque chose d'un petit peu plus petit parce qu'il n'y a pas de maison qui se vend, mettons, au prix qu'on a envie de payer. Et puis, tu sais, il doit en avoir, mais c'est tellement rare que ça part de même, puis ça part à genre des dizaines de milliers de plus quand tu sais que le prix affiché. Ce qui est quand même beaucoup en bout de ligne. Et dans le fond, nos options, c'est soit de rester dans le coin où est-ce qu'on est en ce moment, d'avoir une maison un petit peu plus petite pour le même prix, ou soit on s'éloigne, puis on a quelque chose de
un petit peu, beaucoup plus gros, quasiment le double de superficie. Fait que on a décidé qu'on allait faire une offre qu'elle va mettre de l'avant aujourd'hui, qu'elle va présenter aujourd'hui au vendeur, conditionnel évidemment à l'inspection et tout le tralala là. Mais on est bien content, on est bien excité, ça serait malade, ça serait plein de beaux projets, mais tu sais, pas le genre de choses, t'es obligé de faire de quoi absolument avant d'emménager dedans, tu sais, ça serait très habitable, c'est vieillot, c'est cool, il y a du cachet, je trouve ça malade, puis tu sais, mettons dans le sous-sol, il y a des beams de bois qui passent de bord en bord, ça c'est sûr qu'on garderait ça. Si c'est elle, ben ça sera elle, si c'est pas elle, ben ça sera un autre, c'est tout. Hey, check it, j'aime. Parenthèse, j'aime vraiment mes verres que j'ai achetés au Winners. Donc aujourd'hui, je filais mes nouveaux petits pantalons que j'ai reçus dans ma commande du Ardennes. Je les aime vraiment beaucoup. Ils sont comme en genre de faux cuir, là, avec des poches serrées à la taille, puis genre un petit de rap-la-pla. Au niveau de la taille, j'aime vraiment ça. Je les trouve super beaux, ils sont vraiment confortables. J'ai mis ça avec une petite laine que j'ai pris au Renaissance quand on est allé l'autre fois. Fait que qui vient de la friperie. Fait que j'aime vraiment le petit look. J'ai décidé de mettre un petit collier juste ici pour acheter un petit quelque chose de plus. Fait que mon petit look de dernière journée froide ressemble à ceci. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque fois que je fais des trouvailles en friperie, c'est genre les morceaux que je finis par porter le plus puis que j'aime le plus, parce qu'on dirait qu'ils ont une genre de valeur. On va dire pas sentimental là, parce que je suis pas rendue là tant que ça, mais je sais pas, ils ont une valeur plus spéciale à mes yeux. Tu sais, comme j'avais pris un manteau Zara à la friperie qui m'avait coûté comme 20$, que j'adore, qui est en feutre noir, et puis ça va faire genre 4 ans que je l'ai trouvé ou presque, puis je porte tellement ce manteau là, puis je l'adore. Fait que on dirait que c'est ça, c'est le genre de pièce qui peut aller avec tout, qui fit avec tout, puis je trouve que c'est ça qui est le fun d'avoir des morceaux que tu trouves à la friperie, c'est que c'est comme des pièces genre uniques, fait que ça rend ça bien 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 spécial. En faisant le montage du vlog, je me suis rendu compte que j'avais jamais terminé ce weekly vlog là, jamais conclu officiellement, fait que on est allé visiter la maison, on avait fait notre offre, on a, il y avait plusieurs acheteurs comme d'habitude, on a surenchéri et on l'a pas eu, donc je vais juste donner un petit update là, j'attendais, en fait on était censé avoir des nouvelles le lendemain, puis on en a eu juste un petit peu plus tard, fait que c'est ça, je voulais vous donner un update final quand même dans ce vlog-ci pour vous dire ce qu'il y en était. Fait qu'on l'a pas eu, mais c'est correct. On va continuer de regarder, continuer d'aller en visiter et tout le tralala. Fait que j'espère que vous avez aimé ce dernier weekly vlog de 2020. Vous me direz si c'est quelque chose que vous voulez que je continue à faire en 2021. Si vous êtes tanné, si c'est trop répétitif, s'il y a d'autres choses que vous aimeriez voir, ou peu importe, là, que vous aimeriez que je vous présente davantage. Ça va me faire plaisir de prendre vos recommandations. Fait que là-dessus, ben, je vous remercie d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, mettre un pouce si vous avez aimé. J'espère que vous passez un beau temps des fêtes. Je vous embrasse, je vous aime fort, puis on se revoit très bientôt. Bye bye tout le monde!